Salut à toutes et à tous, c'est Béléphone! Et je vous retrouve pour un nouvel épisode sur les Sims 3 saisons, pour l'épisode numéro 5, où j'espérais fortement que mon soir ait une journée un peu plus passionnante que celle d'hier, parce que vraiment c'était pas très très intéressant. Donc bon, voilà. Il y a encore un fantôme. Super ravi de le savoir. D'ailleurs, je me demande ce qu'ils ont fait au festival d'été maintenant. Et je vous le dis, hein, si vraiment les... Ah, ils ont fait le festival d'automne maintenant. Avec la maison de l'horreur et tout. C'est cool. Bon, bref. Je verrai si le métier de monstre, il est vraiment pas intéressant, j'en chercherai un autre, hein, je vous rassure. Parce que bon, il aimerait bien travailler dans l'athlétisme, alors je pense que je vais le mettre dans l'athlétisme bientôt. Parce qu'en fait, je me dis que styliste, bah, je continue un peu pour voir ce que ça donne, mais si c'est vraiment pas intéressant, je vais changer quoi. Parce que bon, si tout ce qui est intéressant c'est quand il est pas au boulot, bah c'est nul quoi. Parce qu'il va, il va passer beaucoup de temps au boulot quoi maintenant. Oula, faut que je me réveille moi. Putain, il pleut toujours, il pleut tout le temps, j'aime pas l'automne. Je vais gronder parce qu'il panique. Paniquer, c'est mal. Arrête de paniquer. Je vais prendre des céréales pour le petit déjeuner. Nom 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 nom. Le festival d'automne est arrivé en ville. Je t'attends pour mettre tout le monde dans l'ambiance pour la journée de l'horreur. Enfilez votre plus beau costume et venez faire la fête. Tentez votre chance, le concours du mangeur de tartes le plus rapide et la bassine à croque-pommes vous attendent. Si vous n'avez pas l'esprit de compétition, faites comme la plupart des citadins et contentez-vous de regarder ces épreuves. Une balade dans la maison hantée peut également faire de vous un autre Sims, au sens propre du terme. Terminez par une promenade dans une parcelle de citrouille pour choisir une citrouille à sculpter fraîchement à la sortie de la ferme. Ouais, ça, j'irai m'acheter une citrouille. Comme ça, je pourrais faire Halloween avec mes potes. Oh mince, j'ai des factures. Ouais, non, mais je vais changer de boulot, vous savez quoi? Laissez tomber l'autre truc. Ah, j'hésite. Vous savez quoi? Je vais encore faire cette journée de boulot. Non, je veux pas... Ok. Je vais encore faire cette journée de boulot, je vais voir ce que ça donne. Je vais même y aller un peu plus tôt. Ouais, non, ça va, c'est l'heure. Je vais m'y aller. Oh, je dois faire un truc nouvelle barbe pour... C'est moi, ça? Ouais, c'est moi sur la photo, d'accord. Je vais effectuer la mission. Putain, par contre, il y a 2 jours qu'il y a de l'orage, quoi. Ça devient chiant. Bonjour. Oh, c'est Zach. Un cours de... Mes collègues ont organisé un concours de la plus belle barbe ou moustache. J'aimerais vraiment être le gagnant. Attends, je vais devoir te faire une moustache. Je peux pas te relooker là, pourquoi? Faut qu'il vienne. Vous croyez qu'il va venir? Ou... Parce qu'il faut qu'il vienne à mon lieu de travail, sinon je peux pas le relooker. Ouais, c'est bon, le blanc. Ok, bon ben, je vais te proposer un looking. Ah, je te promets pas une super méga belle barbe. Hein. J'ai toujours modifié un peu sa barbe. Puis ça fera l'air... ouais, j'ai modifié. Son pantalon, il est spécial, hein, par contre. Et il est trompé, il avait pas de parapluie apparemment. Faudrait que je lui offre mon parapluie canard. Ouais, attends, attendez, je vais en profiter pour modifier certains trucs là. Déjà, t'enlèves ton maquillage tout pourrave. Parce que c'est laid. En fait, je vais pas faire que lui mettre une barbe, je vais le relooker complètement parce que non mais... Putain, t'as déjà l'air un petit peu plus humain, tu vois. Je peux te mettre ça si t'aimes bien. Pourquoi ça paraît pas noir parce que t'as la peau tellement foncée. Putain. Voilà. Okay. Là, c'est déjà plus potable comme couleur. Tu devrais mettre ça, c'est super joli, c'est taillé. Ouais, le problème c'est que t'as. T'as une coiffure qui va pas avec. Bon, bah, je vais te mettre ça. Bon, tu m'as demandé une barbe, mais c'est pas vraiment une barbe. C'est. Ouais. Comment... De toute façon, comment je peux lui faire une barbe? Il en avait pas de base. T'es obligé de faire ta pute. Félicitations, vous avez terminé un nouveau looking, une nouvelle barbe de Zach. Maintenant, prenez votre photo pour votre book. Je vais prendre une photo pour mon book. Je fais comment?
Oh. Voilà. Cette photo nouvelle barbe a été chargée dans le book de monstres. Le book désormais est rempli à 2%. Ok. Ben. Ok, bon, bah, je confirme ce que j'avais dit au début. Ce boulot, c'est la merde. Je rentre chez moi et puis je vais travailler dans l'athlétisme. C'est ce que je voulais faire au début en plus. Là, je me fais juste un petit peu chier. Donc, je vais démissionner. Et puis, je travaillerai dans l'athlétisme. Bon, bah, désolé, mais ce serait pas. Je vais pas travailler beaucoup là-dedans. Mais oh, je peux m'inscrire comme travailleur indépendant, en peintre ou en pêcheur. Peintre, on se ferait vraiment chier. Bon, démissionner. Bon, et puis j'ai déjà pas mal de compétences en athlétisme en plus, alors bon, ce serait pas mal cool parce que. Ouais, je veux démissionner. De toute façon, je suis payé que dalle avec le boulot, hein. Renforcement, félicité. Non, je vais te gronder parce que tu gambades. Pas de lecture, etc. Affection. Donner une friandise. Tiens. Puis je vais te serrer dans mes bras. Puis après, j'irai changer de profession. Oh, t'es chaud. En plus, ça fait hyper longtemps que j'ai pas vu mes amis. J'ai trop envie de les voir. Je vais. Bah, j'ai le temps pour aujourd'hui. Alors, je vais remplir ta gamelle. Je vais me dépêcher un peu. Puis, j'aurai peut-être le temps d'aller voir mes potes. Ce serait pas mal parce que, bon, même s'il pleut, ce serait cool qu'on puisse aller au festival d'automne, quoi. De toute façon, il pleut tout le temps. Alors, sinon, j'aurais jamais de chance d'y aller. Ok, où est le stade? Il est là-bas. Ouais, enfin, peut-être que je peux avoir le boulot sur l'ordinateur. Ce serait peut-être plus simple parce que sinon. Je vais faire tout le chemin, je pourrais pas voir mes potes encore aujourd'hui. Je vais voir mes potes, laissez tomber! Mission et profession, chercher un travail. Je vais voir si je trouve déjà là. Bon, les toilettes sont sales, mais je les nettoierai plus tard. Enseignement, cuisine, force de l'ordre, musique, politique, enseignement, cuisine. Oh! J'ai regardé dans le journal. C'est jamais le même. Trouver un travail. Bon, puis après, je recyclerai, je nettoierai. Bien sûr, je lis sous la pluie. Musique, cuisine, force de l'ordre, musique, cuisine, force de l'ordre. Ok, je dois aller jusque tout là-bas. Super. Je veux aller au festival, laissez-moi voir mes potes. J'en ai marre, stade. Voir un match, non, censé dans la carrière sportive, s'il vous plaît. Hop, ça je vais jeter, ça je vais jeter. Ah, par contre, si je fais sportif, je vais. Où est-ce que c'est déjà? Ah ouais, retirer le foyer actif du système de célébrité. Comme ça, eh ben, je deviendrai pas célèbre. Parce que sinon, j'aurai tout le temps des paparazzis devant chez moi. Hein, c'est vraiment nul. Et chiant en plus. Bon, pour finir, je suis mouillé. Il faut ça. Merde, mon téléphone. Voilà. Il me faut de la compétence athlétisme et de l'humeur. Bon, ma compétence athlétisme, ça ira. Oh, Lawrence. Alors, je vais discuter. Non, mais de toute façon, on va aller au parc, Lawrence. Ouais, non, merde, faut que j'appelle mes amis d'abord. Vlain Sims, invité à aller. Et Ariana. Schufflerman. Lawrence. Trista. Et Zach. Je vais même pas inviter Lucky. Et on va aller là-bas. Bon, en espérant qu'il s'arrête vite de pleuvoir, quoi. Puis il fait déjà nuit en plus, parce que vu que c'est l'automne. Enfin, il fait genre nuit bizarre. Ok, bon, les textures elles ont du mal à se charger aujourd'hui. Genre, regardez là, je vole. Oh! Squalala! Nous sommes partis! Ça se charge vraiment pas, c'est quoi ce délire? Ok, pourquoi pas. T'es en habit bizarre. Ouais, ok. Discuter. Oh! Chou-fleur girl, tu veux pas que je t'offre un parapluie? Vous voulez pas que je vous offre des parapluies? Parce que. Attendez, je vais vous en offrir. Non, mais parce qu'en fait, là, elles ont pas de parapluie, elles vont finir par être trempées, choper la crève et tout. Bon, n'empêche, j'ai démissionné, alors ça, je peux le virer. Est-ce que j'ai assez d'argent pour m'acheter un truc de sport? Parce que je voulais vraiment m'acheter un truc de sport. Je voulais un truc de traction. C'est pas là. Pourquoi je suis là? Ouais, je peux! Je vais m'en acheter un. Je vais m'en acheter un. Ouais, mais attendez, je vais modifier ça. Déjà, je comprends même pas pourquoi il y a un mur là. Ça sert à rien. Je vais mettre ça comme ça. Je vais
Puis mon truc de traction, je vais le mettre là. Voilà. Ah ouais, puis je voulais vous acheter des parapluies parce que... alors attendez, je vous achète des parapluies. Interrupteur de pluie, machin. Je sais pas où mettre le deuxième pour... Ok. Alors, je vais en acheter un... Je vais mettre tout la même couleur. Je sais pas... Attendez, faut que ça charge. Excusez-moi. Voilà. Puis celui-là, ce sera celui de... Chou-fleur Girl. On va acheter comme ça. Ok, bon. Attends, Chou-fleur Girls. Merde, j'ai mis un S. Chou-fleur Girls. Trista, j'ai un cadeau pour toi. Oui. Bla 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 bla. Non non non, mais vas-y, recommence pas, Ariana, je vous fais un cadeau à ta soeur. Ok. Vous me laissez offrir un cadeau, s'il vous plaît? Putain, qu'est-ce que ça, elles sont lourdes, ces deux sœurs là. Hein. Non mais vas-y, laisse-moi t'offrir. Ah merde, ça marchait. Non mais vas-y, je veux t'offrir un cadeau, donc t'arrêtes de faire chier le monde. Bla 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 bla. Bla bla bla. Tiens. Voilà, maintenant t'as un parapluie. Ouais, ça marche. Ok. Non. Oh. Ah, je pensais que c'était un vrai Yeti. Non, ça va. Oh, oh, j'ai peur. Oh, j'ai vraiment eu peur en plus. Bon, et puis je vais en prendre un pour l'autre, pour Ariana. Non, mais c'était pas lui, qu'est-ce que je fais? Oh merde, maintenant je vais attendre que toutes les textures se chargent, c'est sérieux. Bon, c'est lui que je vais modifier alors. Une heure plus tard. C'est tellement long à charger, je trouve, ces trucs-là à chaque fois. Hop, voilà. Et puis j'avais bien envie de lui prendre un truc joli comme ça. Comme ça, ce sera joli. Et puis je vais lui offrir. Hop. Offrir un cadeau à Ariana Doucet. Ariana! Et je commence le boulot demain? Non, dans 20h, c'est bon. Tiens, protège-toi avec ça parce que. J'espère qu'il sera joli. Hein, parce que... Ah ouais, je voulais récolter une citrouille. Pour le Spooky Day. Vous viendrez pour le Spooky Day, hein. Je vous inviterai pour faire la journée de l'horreur. Ce sera cool, on pourra tailler des citrouilles ensemble bientôt. Je pense que je ferai le Spooky Day avec Ariana et Trista. Voilà. J'ai des citrouilles. Je vais en prendre... je vais en prendre 6 pour... parce que si je fais... Parce que s'il y a moi... Ariana, Trista, Lawrence, Zach et Lucky. Ah bah non, Chou-fleurman et Lucky, et bah voilà, on sera 6, donc je vais récolter encore. Difficile de conserver une bonne relation. Y'a plus d'amitié entre Trista Doucet et Monstre. Bah je suis juste à côté d'elle, elle se fout de la gueule du monde. T'es où Trista? C'est vrai, bon je passerai un coup de fil si elle s'est barrée. Bon par contre il fait vraiment pas beau alors je peux même pas aller là-dedans, c'est quoi ce délire? Ça c'est même plus ouvert. Pourquoi ça s'est éteint? Elles étaient buggées. Faut dire elles sont sous la pluie hein. Bon, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Oh, il y a Lawrence. Eh, hey, je t'avais pas vu Lawrence. Discuter. Je vais discuter avec Lawrence. Ça va? Mais t'as pas de parapluie non plus? Mais c'est quoi votre délire? Tu veux que je chauffe en parapluie, toi aussi? Bon, attendez, parce que je vais lui acheter un parapluie. Non, mais parce que tous mes potes, ils ont pas de parapluie, alors pour finir, ils sont trempés. Oh. Ce qu'il faut pas faire, sérieux.
Nope. Alors. Voilà. Je vais t'en offrir un. Comme ça. Là, t'en auras un super beau. Hop. Offrir un cadeau à Lawrence. Je vais poser les citrouilles dans la maison. Ouais, quoi que non, je vais les poser dans le frigo. Pour le moment. Voilà. Parce que je veux pas qu'elles pourrissent. Bon, ça risque pas de pourrir ce genre de truc, mais. Tiens. Voilà, au moins t'as un parapluie. J'ai envie d'embrasser Lawrence. Non, j'ai pas envie d'embrasser Lawrence. Vous êtes mad, mon pote. Genre, j'ai des désirs bizarres. Je parlais de froid. Je trouve qu'il est super, super froid et en plus je suis trempé. Et je suis hyper méga crevé. Donc je vais rentrer me coucher, moi. Bye bye. Franchement, il fait trop moche en ce moment. C'est trop nul. Et puis en plus, j'ai froid. J'espère que je vais pas me choper la crève. J'ai envie de rencontrer quelqu'un de nouveau. De faire une sortie fantastique avec mes amis. Et j'ai envie de lier une amitié avec Trista. Tu rentres avec moi d'accord. Comme tu veux, mais je préviens, hein, moi, je mange un truc que je vais directement me coucher, Ariana. Ariana, j'aime bien, elle s'incruste, normal. Pour finir, j'ai des parapluies partout dans ma maison. Je vais, je sais pas comment faire. Je peux pas ranger dans la bibliothèque ou un truc du genre. Bon, je vais le supprimer. Ça me donne de l'argent en plus. Oh putain, j'ai pété mes chiottes, au secours. Bon, pas de la merde. Plus que deux jours avant la journée de l'horreur. À partir de demain, les enfants et les adolescents pourront aller chez leurs voisins et dire t'es pour moi un sort, n'oubliez pas de préparer votre déguisement. Ouais, je ferai ça. Les enfants et les ados, et donc moi je peux pas. Si je suis un adulte. Même si je suis grand gamin. J'aimerais trop me déguiser pour. Ouais, en fait, c'est à partir de demain, comme ça, c'est un jour avant. Et donc là, je peux pas. Attendez, je vais essayer. Ouais, non, je peux pas. Merde, oups. Bon, je vais directement dormir. Mon chat, il se sent bien. Ouais, ça va, il fait sa griffe bien tranquille. Et je vais vous laisser là pour cet épisode. Et donc, je vous retrouve dans l'épisode prochain. N'hésitez pas à laisser un pouce vert ou à partager cet épisode s'il vous a plu. Et je suis content parce que Monstre il a pu revoir ses amis. Parce que bon, l'épisode d'avant il était pas super. Je veux dire, Monstre il avait pas pu voir ses amis et tout. J'étais un peu déçu. Bah là pour le coup, je suis content. Et donc, bah je vous retrouve dans l'épisode prochain. Bye bye!